وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Un mécréant qui fait du bien sur terre. Il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais il y a des mécréants, mashallah, ils font beaucoup de bien. Il y a des prêtres, des je ne sais quoi, ils sont là, ils vont dans le monde, ils donnent à manger aux pauvres, ils aident les gens. Comment ces gens-là, ils vont aller en enfer? Il y a des gens qui parlent comme ça. Celui qui dit ça, c'est un grand ignorant. Et en disant ça, il peut démentir le Coran. Car le Coran, il a dit que la personne qui mourrait pas sur l'islam, sa place est en enfer, éternel. Il faut savoir que Allah n'est pas injuste. Un mécréant qui fait du bien, Allah le récompense. Mais sa récompense, elle est dans le dunya. Elle est dans ce monde. Allah, il lui dépêche sa dépense, sa récompense dans ce monde. Que ce soit en lui ouvrant les portes du rizq, de la subsistance, ou qu'il trouve une certaine facilité dans certains points de sa vie, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, il ne trouvera pas la paix de l'âme, ça c'est sûr. Mais un croyant, quand il fait du bien, Allah Ta'ala lui donne par ce bien, par ses bonnes actions, qu'une petite baraka dans ce monde. Il lui ouvre un peu les portes de la baraka de ce monde, mais il lui garde ce bien, il lui fructifie pour qu'il vienne le jour du jugement dernier et qu'il trouve des grandes récompenses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا